bienvenue sur la chaîne. Mais non, c'est même sur la chaîne de Jeanne et Roman. Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Jeanne et Bernadette. Et Bernadette. Moi, vous voulez. Oh, elle est pas d'accord. Tenez. Non, non. On vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va faire un challenge. On fait un photoshoot dans les pires endroits. On a sélectionné plusieurs endroits tels des poubelles, un chantier. Ou bien même le Canadian Tire. Le Canadian Tire qui est un peu le Walmart, qui est donc l'équivalent français. L'équivalent français, c'est le roi Merlin. Ouais, de ouf. Le but, c'est de faire les plus belles photos dans chacun de ces endroits-là. Le défi va être intense parce que c'est vraiment pas des endroits faciles pour faire des photos. Notre partenaire du jour, c'est Letty Shop. Merci beaucoup à eux. Si jamais vous voulez vous acheter des nouveaux outfits pour l'été pour faire des photoshoots devant des poubelles bizarres, allez-y, téléchargez-le parce que c'est vraiment trop nice. Letty Shop, donc c'est un site de cashback. Le cashback, ça vous permet de rembourser une partie de vos achats à chaque fois que vous faites un achat en ligne. Ils sont partenaires avec plus de 3000 marchands. Par exemple, Nike, Asos, Boohoo, plein de marques comme ça. On vous met plein d'exemples à l'écran. Et en fait, ils ont presque le double des marchands partenaire par rapport à d'autres types de cashback. Donc il y a vraiment beaucoup de choix quand on fait du shopping en ligne. On a des réductions sur à peu près tous les sites populaires. L'inscription, elle est gratuite et c'est hyper facile, hyper rapide. Il y a une extension sur l'ordinateur, c'est disponible sur PC, c'est disponible sur à peu près tout en fait. Ce qui est bien aussi, c'est que quand tu t'inscris, tu peux inviter tes amis et quand ils dépensent un minimum de 20 €, et ben chacun gagne un bonus de 5 €. Donc tout le monde est gagnant. Quand tu fais un achat, tu reçois de l'argent dans ta cagnotte et c'est à partir de 10 € que tu peux débloquer ta cagnotte et faire le virement sur ton compte. Donc ça, c'est plutôt cool parce que la plupart des sites de cashback, c'est souvent à partir de 20, 30, 40 €. Là, t'as pas besoin d'attendre longtemps avant d'avoir ton cashback. C'est instantané. Ça marche avec la France, les États-Unis, l'Allemagne, plein de pays. Chaque jour, il y a des offres limitées de cashback boosté où le taux est multiplié par 2 ou 3. 3, 4, 5. C'est impressionnant, genre tu peux faire vraiment des grosses économies. En ce moment, par exemple, sur Shein, il y a 30% de cashback. Sur Asos, il y a 10,5% de cashback. Donc si jamais vous voulez essayer les e-shops, je vous rappelle, c'est gratuit, donc n'hésitez pas parce que ça va vraiment vous faire des économies. Le lien est juste en dessous. Let's go. Et n'oubliez pas d'inviter des amis si vous voulez, comme ça vous allez avoir encore plus de cashback. Bon, let's go pour le photoshoot. C'est parti. C'est parti. J'ai trouvé un petit endroit là. Je vais me dépêcher à faire ma photo. Je pense que ça peut être bien, mais je suis pas sûre en même temps. Ça marche pas du tout mon affaire. C'est à contre-jour forcément. C'est très difficile ce challenge. Oh non. Oh, ça oui. Ça oui. C'est super gênant, il y a plein de gens qui passent derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, d'accord, merci. Vous faites quoi exactement? On doit réussir à faire la plus belle photo possible dans le Canadian Tire. D'accord. C'est ça. D'accord. Bonjour, bonjour. Je cherche quelque chose, mais je trouve pas. Oui. C'est un thé en Pex 1/2. Oh my god, c'était tellement gênant. Mon anxiété ne me remercie pas en ce moment. Il y a une histoire d'escalier rouge là-bas. Je suis tellement en train de prétendre de faire autre chose en ce moment. T'as expliqué la situation ? Mais j'ai expliqué la situation, mais c'est tellement gênant. C'est super gênant. Oh my god, bon, je reste pas trop près de toi pour pas voir ta photo. Ouais, s'il te plaît, là, t'es un peu trop près de moi après. Je pense que ça devrait être bon là. Ok, j'en ai marre là. Je commence à avoir chaud, je vais regarder ce que j'ai fait. Bon, c'est horrible, mais bon, vas-y, tant pis. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas recommencer, ça suffit là. Direction le prochain photoshoot de pire en pire. Les dessous du tournage, on doit se changer dans la voiture parce qu'on n'a pas de loge. Ouais, malheureusement. Franchement, c'est une acrobatie. Je me contorsionne comme un ficello depuis tout à l'heure. Il n'y aura pas de retouche maquillage. Hein. Ça, ah non, clair. Vraiment pas. En plus, il y a une madame qui rôde autour de la voiture depuis qu'on a... Parce qu'on est chez elle, en fait, je crois. Ah. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai que des personnes nues chez toi. Ouais, c'est bizarre. Mm. J'ai une bête de tenue et je la gaspille pour faire une photoshoot toute belle. Oh, j'ai oublié quelque chose. Je vais m'auto en là. Tiens, j'ai oublié là. Oh, ça me brute, ça me cisaille. Ça me brute. Bon bah oublier c'est peser hein, tant pis. Bon moi je vais faire ma photo, je te laisse. Bye bye. Bye bye hein. Mais tu vas copier. En même temps y a pas 3000 solutions mais... On a legit une poubelle. On a chacune. Une poubelle chacune ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'original? Rien du tout. Je veux pas que tu copies sur moi. Wow, j'ai tellement copié tes idées farfelues. Elle va grave copier sur moi, ça me tue. Y'a quelqu'un qui se garde devant nous. Oh non. Ça me fout la haine, on avait choisi cet endroit parce qu'on était tranquille. Mais là tout le monde s'arrête devant nous. Tout le monde s'arrête pour nous regarder. Ça va pas du tout ça, attends.
les gens qui passent, ils doivent se demander pourquoi on prend, et peut-être dans les poubelles, ça n'a aucun sens. Ah, je déteste ma pose. C'est à côté, c'est un autre bâtiment. Ok. Je sens comme ça, j'ai nettoyé tout le matin, trois lots ici là, à côté. C'est legit le pire spot de l'histoire. Qui fait des photos dans les poubelles, sérieux? C'est n'importe quoi. C'est horrible. Je sais pas comment je vais faire, guys. Vous avez des photos? On fait des photos, oui. Oui, pour le ballon. Oui. Le bon chance. Merci. Oh non, c'est trop beau la maman Jeanne. La madame maman Jeanne. She's got a fan. La poubelle, c'était un défi, guys. C'était trop intense. C'était un défi pour mes mains aussi. J'ai toutes les maladies du monde en ce moment. Pareil, je suis persuadée. Pareil. Tiens, sors-moi un coup. Je ça fait 30 fois qu'on en est. Franchement, j'ai envie de prendre une douche au Karcher. J'ai envie de me retourner comme un gant de toilette. C'est vraiment pas facile de prendre des photos dans des poubelles. Moi, je trouve que si. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé ça easy money. J'ai trouvé ça plus facile dans Canyon d'ailleurs. Moi, je me sens dans mon élément, tu vois. Ah, je comprends ça. Tu vois, tout ce qui est trash. Ouais, je respecte. On pourrait aller dans ces petites toilettes, elles ont l'air vraiment nice. Ça va être difficile de trouver. Il y a trop de... Me suivez pas, sauf... Je vais m'isoler, t'inquiète, je vais pas faire la même photo que toi. Entrons dans le chantier, on a absolument pas le droit d'être là. Hi. Ça va être encore super bizarre. Ça n'a vraiment aucun sens d'être youtubeur. T'es là, tu filmes dans des endroits impromptus, les gens te regardent, ils te demandent pour qu'est-ce que tu fous de ta vie. Mais c'est horrible ton endroit, yak. Oh. Non, va attendre là. J'ai le droit d'utiliser la voiture. Ah, tu vas utiliser la voiture. Ok. Bon, j'ai décidé que j'allais pas du tout être originale. Je vais prendre une photo devant ce conteneur là. Vraiment pas ouf, mais bon. Phobie de me prendre en photo en public. Ma caméra va tomber. Les gens qui passent, c'est très gênant. Les gens écoutent rien de ce qui se passe. Moi non plus d'ailleurs. Les cheveux sont horribles. Quelqu'un qui arrive juste devant moi. C'est très gênant. Il y a tellement de voitures devant. Est-ce que je carjack cette machine? Aujourd'hui. Ok. Ça va pas être sympa quoi. J'ai emmené Jeanne sur une fausse piste. Elle pense que je suis en train de faire des photos dans le truc. Mais je suis pas ce genre de fille qui a ce courage. C'est super gênant, il y a des mecs de travaux qui sont juste à côté. Bonjour à notre endroit, bonjour à notre endroit. Ce soir, on va gênant. Il y a littéralement des monsieur chantier partout. Mission réussie. Heureusement que j'ai pris des photos vite parce que là, mon visage, c'est un Picasso. Moi, j'arrête, je suis trop gênée. Il y a trop de monde, regardez. Au feu rouge et tout, tout le monde regarde, c'est trop gênant. Merci. Je cherche ma sœur. Elle est partie où cette grognasse? Il y avait plein de chantiman partout, genre peu importe où t'allais. J'ai hâte de découvrir tes photos, Soy. J'ai hâte de découvrir les tiennes. Oh my god, j'espère ok. J'espère moins bien que les miennes. J'ai chaud, je vais allumer la AC dans la voiture, ça va être le meilleur moment de ma vie. Bye. Chaud, j'ai pas trop chaud, Soy. J'ai la moustache suante. Ok, on va découvrir les photos. J'ai trop hâte de découvrir les photos, Soy. J'ai trop hâte de découvrir les tiennes. Et je vais les juger. Moi aussi. On s'est évité pendant tout le photoshoot et c'était vraiment pas facile. Mais j'ai un peu regardé. T'as triché? Bah quand t'étais sur les escaliers rouges, j'ai vu qu'il y avait un... Bah ouais, tu rodais autour de moi, ça m'a saoulé par contre. Je rodais parce qu'il y avait l'homme de vendeur qui rodait. Il me rodait, je rodais. Mais pourquoi tu me rodais autour? Mais parce qu'on s'en rodait les non, uns les autres. Non, pourquoi t'es venu me voir? T'aurais dû aller à l'autre bout du magasin. Ouais, c'est vrai, mais ça bon, se fait pas. T'étais ma safe place à ce moment-là et je devais vraiment aller vers toi. De toute façon, je vais te dire quelque chose, c'est ma pire photo. C'était vraiment pas facile, Canyon Tire, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y avait plein de choses en background. Il y avait des outils partout. Tu peux pas faire de photos avec des outils, ça marche pas. Mais tu fais pas de photos au Canyon Tire, non? Non, mais c'est bon. Pour ça que tu fais pas de photos. Ouais, j'essayais de trouver au moins un petit fond sympathique et tout, mais non, ça a pas fonctionné. J'ai hâte de voir. Attends deux secondes. Soy, je vous propose de me montrer votre photo. Non, soyez vous en premier. Okay. Parce que moi je suis tellement déçue de la mienne que j'aimerais vraiment voir la tienne avant quoi.
Mais moi je sais pas, vous mettez la pression, Soy. Imagine, je la trouve horrible la tienne, encore pire que la mienne, alors que je trouve que déjà la mienne c'est la pire. Imagine, tu dis un mensonge, que je comprends que c'est un mensonge, et depuis le début je comprends que t'es hypocrite avec moi. J'ai pas compris. Soy, si je te montre, est-ce que tu pourrais genre éviter de dire eww? Ok, vas-y, vas-y. Ok, t'es sur un autre niveau, frérot. Franchement, t'as pas rajouté non. Tout. Non, mais non. C'est la mienne, frère. Je pense que c'est actually la mieux des trois, parce que les deux autres, elles sont vraiment moins bien. Ok, depuis tout à l'heure, tu t'étais et tout pour répondre en fonction de ce que je sais pas, parce qu'elle est pas, non plus incroyable, je veux dire. Mais tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles, elle est sur la pas le même niveau. Ah ouais? Je sais, elle est bien, ta photo. Non. J'ai honte. J'ai honte vraiment de te la montrer en fait. Bah vas-y, mais pose-la même maintenant, je te laisse la poster là, vas-y. Quand j'ai vu le lighting, je me suis dit ok, il y a que comment ça à faire. Réussi, mais t'as regardé en l'air, moi j'ai pas regardé en l'air. Je l'ai posé par terre. T'as regardé en l'air? J'ai regardé en l'air, mais parce que j'ai regardé partout, il y avait que des fucking râteaux. À un moment donné, j'ai cherché autre chose que des râteaux, comme mon background. Bah moi j'ai des cadenas, moi j'ai fait avec les cadenas. J'ai vu les cadenas, mais j'étais pas dans sur les cadenas. Mais vas-y, j'aurais jamais, on dirait dans ton jardin, genre. Non, vu qu'il y a pas le ciel. Non, il y a pas de, verdure, ça peut pas être mon jardin. Bah t'as d'être ça, frère, je suis fière de toi. Merci Soy, à vous. J'ai honte. Non mais moi, celles d'après, elles sont claquées aussi, hein. Attends, j'en ai deux, je sais pas laquelle te présenter. Tu dois m'en présenter une. Laquelle est la pire? Laquelle est la pire des deux? Non mais c'est... Vas-y, je peux pas te montrer, j'ai trop honte. Trop tard, c'est le but de la vidéo, ça. J'ai fait une photo dans le Canadian Tire. C'est vraiment la description de la photo. Bah ta pose, toi t'es vraiment belle sur la photo. C'est un peu industriel genre. Ah bah c'est totalement industriel hein. Mais en plus c'est bien parce que non, mais t'as des couleurs vives. T'as des couleurs vives en vêtements, mais si ça match. Arrête de me complimenter, c'est horrible. C'est la pire photo ever. Mais genre ça va. Ça, il faut que tu dises c'est la pire photo ever. Si tu veux, c'est la pire photo ever. Ouais, mais je trouve que l'escalier c'était un bon choix. Oui bah c'est un bon choix si je le déplace dans un total différent environnement. Genre que tu pars du Canadian Tire avec l'escalier sur toi. Non mais tu sais que moi je voulais te déplacer et tout, mais je me suis dit il y avait des gens partout autour, c'était tellement gênant. Et les fucking gérants aussi. Déjà j'ai enlevé mon masque, je me sentais comme une bandit genre. Mais oui c'est vrai, t'as enlevé ton masque. Bah oui, toi tu l'as laissé. Ouais. Moi j'ai misé tout sur masque. Non ça, c'est pas postable ça, je peux rien faire avec ça. Bah on sait juste pas pourquoi tu t'as voulu prendre ton masque. Ouais c'est ça. Bah voilà, c'est raté pour moi. Là je te donne direct un point, on demande même pas aux amis de voter. C'est sûr que t'as un point. Non mais en vrai elle était pas pire. Ah si, elle était pire. Elle était peut-être un peu pire. Elle était grave pire. Photoshoot suivant, c'était devant les poubelles. Oh, ça c'était une galère. Moi franchement je pense que c'est la pire des deux. Ah ouais? Ouais, je pense que j'ai la pire des deux. Ok, moi je te montre, j'avais juste pas de concept. J'ai vu les poubelles, j'étais comme, je fais quoi avec ça genre? Ok, bah moi j'avais un concept, c'était vraiment, dans ma tête, ça a pas donné exactement pareil qu'en vrai, mais dans ma tête, je voulais que... zoomer un maximum pour que les poubelles ce soit vraiment un fond et qu'on voit pas que c'était les poubelles. J'ai pensé à ça aussi. J'ai essayé, déjà mon corps était comme trop imposant par rapport aux poubelles. Et aussi genre il fallait vraiment que je manipule le sol et les poubelles, ce qui me répugnait. Ah non, moi ça, moi j'ai tout, j'ai me suis mis par terre, hein, ça m'a dégoûté sa mère. Hein. Non seulement j'ai touché les poubelles, en plus j'ai touché par terre, mais vraiment j'ai tout touché aussi. J'ai la gale, la migale, tout ce que tu veux. Ouais hein. Et du coup, c'est vous qui commencez. Oui, je commence. Alors du coup mon but c'était vraiment qu'on voit pas que c'est une poubelle. C'est raté. C'est raté. Mais j'aime bien quand même la photo. Ok. Si tu es honnête avec toi. Mais si je l'aime pas et que tu l'aimes, c'est bizarre. En vrai, ça me dérange pas parce que moi, dans la vie, tant que je me plais à moi-même, ça me suffit. C'est beau, belle leçon de vie. Mais elle est trop bien. Elle est pas mal hein. Avec les petits rappels de rouge et tout. Oh cute. Fun fact, tu ne savais pas qu'il y avait une écriture rouge sur les poubelles. Ouais ouais ouais, parce qu'on a mis nos tenues avant de voir l'endroit. On s'est baladé en voiture à Montréal pour trouver les endroits. On s'est baladé pour traquer des poubelles. Ouais mais on s'est pas habillé en fonction du lieu by the way. Incroyable la photo franchement. Mais c'est pour ça quand on a vu les poubelles et tu m'as dit on va là, j'ai dit ah oui 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 parce que j'ai vu le rappel de rouge. How cute. Bah ouais le fond. Pas mal. Un grand classique. Je pense que tu gagnes. Non mais non, je pense à la mienne en fait. Je suis en train de penser à la mienne et je me dis que... Arrête, je suis sûre t'abuses tellement. Vas-y montre-moi. Tu vas être déçue, la déception va descendre de 10 niveaux. T'abuses. Je te jure. J'espère que tu stènes pas devant les poubelles droit comme ça. J'ai essayé de me mettre dans la poubelle pour cacher mon corps. Mais ça fonctionnait pas. Ce serait trop drôle, tu te sois mis dans la poubelle et ta tête qui n'est pas, c'est le capuchon dessus. Là, j'aurais mis un point direct. J'avais pas d'inspiration, ça. Je suis vraiment désolée pour ce qui va venir. Je m'excuse, je fais un gros disclaimer d'excuses et une validation de confirmation. Ah ouais, non, aucun effort quoi. Aucun effort. Aucun effort. Les poubelles, ça m'inspire pas. C'est pas genre mon. Mais t'as posé devant les poubelles, quoi. C'est quoi? C'est presque au même niveau que les Canadian Tire. J'ai posé dans le Canadian Tire. Mais non, mais va faire un esthétique poubelle. Ça rentre pas dans mon esthétique personnelle. Mais totalement. T'aurais pu faire un selfie, frère, devant la poubelle. J'ai essayé. J'ai essayé. Je ressemblais à
comme un déchet qu'on avait sorti de la poubelle et qu'il fallait juste remettre dedans. Au moins t'aurais été dans le thème. C'est vrai. Vrai. Pour moi c'est le même niveau qu'à l'intérieur. Tu t'es posé devant les poubelles. J'ai tenté un truc qui a échoué. Comme tout ce que je tente. Tout le temps. Bah t'es, je suis désolée, je suis belle, mais il faut te découper puis te mettre dans un autre. Ça va pas du tout. Ça va pas avec le. Ça m'inspirait pas. Je ne suis pas une poubelle girl. J'ai essayé. J'ai voulu être une poubelle girl. Je me permets de me donner le point. Je vous donne le point seuil. Vous voulez un point? Oui. Je le donne. Troisième lieu. Troisième et dernier lieu. Les chantiers. Les chantiers, c'était une affaire. Parce que là, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas choisi un chantier abandonné, on a choisi un chantier qui pullulait de chantiers man. Il y avait plein de chantiers man partout. Il y avait des chantiers man par-ci par-là. Il fallait éviter les chantiers man et trouver des spots sans chantiers man. Et j'aimerais aussi préciser que j'ai fait un effort considérable sur ne pas calculer les gens, quoi. Parce que je me suis posée à une intersection avec des feux rouges, des mecs en camion comme ça qui passaient, qui me regardaient tout le feu rouge, ultra gênant, et moi devant une poubelle en train de... C'est pas une poubelle mais c'est presque aussi une poubelle pour moi là où j'ai fait ma photo. Ça n'avait aucun sens. Moi je devais expliquer au chantierman qui passait qu'est-ce que je faisais parce qu'il voulait savoir, j'ai dû expliquer. Tu sais qu'à chaque fois qu'on a fait le truc t'as expliqué à chaque fois. Oui, c'est moi qui explique à chaque fois. Genre. Moi je dis c'est parce que j'ai pas le temps. Moi je suis genre oui on va faire un photoshoot dans les pires endroits. Ils disent pourquoi ils font ça genre. Moi je parlais toute seule, il y avait quelqu'un qui me regardait, je suis comme ah oh, c'est très... Comme si je parlais en FaceTime. La bonne technique. Super gênant, tout le monde me regarde. C'est une bonne technique. C'est une très bonne technique. Je crois que j'ai fait ça aussi un peu. Ouais. Mais ça ne changeait rien à ma gêne immense. Je vais encore te décevoir. Désolée, Soy. Ah ouais? Je suis la déception de la famille. Bah non, mais franchement, tu m'as tout donné avec la première. J'étais choquée là. Jamais vu ces petites fleurs au plafond comme ça, moi. J'ai pas regardé en haut. C'est vrai que j'aurais dû, mais j'ai pas pensé. À trop regarder devant soi, on en oublie de regarder en l'air. En l'air. Ça veut pas dire grand chose. J'aurais voulu que ça veuille dire un truc, tu vois. Je vois ce que tu voulais dire. Il y avait une morale derrière ça. Le fond était bon, tu vois. Mm-hmm. Ok, j'ai essayé les tréteaux. J'ai essayé différentes choses, des pneus, tout. Y a rien qui faisait. J'ai trouvé un coin et je me suis dit go dans ce coin, genre le soleil illumine ce coin. Mais ça fait aucun sens. J'ai vu que t'étais devant un grillage là, frère, ça va être horrible. J'ai hâte de voir, ça va être horrible. Ah ouais. T'as rien à faire là quoi, chercher l'intrus quoi et trouver immédiatement. C'est ça le challenge, c'est vraiment de pas être l'intrus dans la photo. C'est ça, quoi. C'est ça qui est ça, c'est super difficile. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses dans la vie de tous les jours quoi. On va pas poser forcément devant des déchetteries publiques. Non. Écoute, j'ai essayé. J'ai juste essayé de trouver une bonne lumière pour vrai. J'ai juste voilà, tu as réussi là pour le coup, mais y a que ça qui est bien en fait. Y a que ça qui est bien. Mais je te vois bien sur un cheval dans cette position par contre. Ah d'accord. En Amazon comme ça. Mm-hmm, mm-hmm. Très belle tenue en tout cas, j'essaie de trouver les points positifs. Ouais merci. Très belle tenue, très belle fille. Mais endroit éclaté quoi. L'endroit est totalement éclaté. À vous, ça est passant autre chose parce que moi je m'enlève un point d'avance là. Okay. Moi je suis pas allée chercher très très loin mais des fois il faut pas aller chercher forcément très loin pour avoir le talent arrive, le talent arrive directement sans qu'on ait besoin de faire d'efforts. C'est une... Est-ce que t'as une queue? C'est un conteneur. Oui c'est ma queue. C'est ta queue? Oui. Ouais, il y avait une queue, je pouvais pas l'enlever, donc je l'ai laissée quoi. Ok, je me suis dit, elle t'aimera accompagnée. Bah franchement, cute. Je pense que c'est la stratégie est de trouver un fond uni, c'est un fond mieux. Uni, c'est vraiment pas recherché quoi. C'est ta stratégie des poubelles aussi. Ouais, mais bon, ça a pas donné la même chose comme tu peux le remarquer. Si, je trouve que c'est... Bah là, les poubelles, j'aime beaucoup les poubelles. Ouais, bah ça a bien donné avec mon outfit et tout. C'est cute. C'est juste dommage pour ta queue. Ouais, bah écoute... Après, faut assumer ça. Je l'assume, tu vois, j'aurais pu la photoshopper, mais je la laisse, tu vois, parce que je l'assume comme elle est. Faut l'assumer comme elle est. Tu sais, à un moment donné, tu choisis pas tes attributs. Mm. Bah je sais pas. Tu sais pas, et ben on va laisser déterminer les gens. Pour la laissons déterminer les gens. Laquelle vous avez préféré. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur la dernière, hein. Moi, je crois qu'on va se battre. Ouais. Parce que moi, je vote pour moi, honnêtement. Franchement, je vais voter pour toi. Ah ouais? Bah un fond uni, ça gagne plus qu'un grillage arraché, quoi. Ouais. Même si ta pose et toi, ton outfit et tout est très bien. Disons que t'as cherché au moins à faire un truc qui fait du sens. Pour moi, je me suis juste mis là où il y avait un truc pour poser. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Je comprends, j'ouvre les yeux petit à petit. Franchement, c'était super difficile comme défi. Ouais. C'était hyper compliqué. Ouais. Et puis les lieux qu'on avait choisis étaient vraiment pas faciles du tout. On avait pensé à d'autres lieux aussi, la déchetterie, la salle de bain. Bah, actually, la salle de bain, c'est quand même cute. C'est pas mal la salle de bain. Les toilettes, genre. Proposez-nous des lieux. Ouais, si on fait une partie 2, on fera ces lieux-là. Je suis dans mon mais ouais, je suis dans aussi. Une revanche. Ouais, une petite revanche là. Revanche sur la vie. Bon bah bravo Soy. Franchement bravo à vous. Pour bravo. Votre première photo surtout parce qu'elle était excellente et bien recherchée. J'ai essayé, j'ai tout donné. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est ça la morale de cette vidéo. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez une partie 2 de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous inscrire sur les t-shirts. Oui, pour faire plein de shopping et des maillots de bain. Moi j'ai besoin de maillots de bain là cet été. J'ai zéro maillot de bain Soy. J'ai un maillot de bain et ça va pas du tout. Ouais. Je te jure j'en ai un.
Enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en a plusieurs qui font aucun sens avec mon corps. En tout cas, c'est bien pour au moins deux. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.